Et rebonsoir. OBS, aurais-tu l'amabilité de faire quelque chose? OBS est tout cassé ce soir. Ah, merci. Oh, purée, mais le chat s'affiche pas non là non plus. Oh, décidément. Et du coup, bah, re-Todd et re-Captain, je sais pas s'il y a d'autres personnes, j'ai pas pu voir. Si quelqu'un peut écrire dans le chat. On m'entend là, oui, c'est bon. Si, c'est bon, c'est réparé. Flamiaou et Evo level 18, ok. Bon, allez, on attaque la suite. Je sais plus où on en était, hein, donc. Ah, je comprends. Attends. Je crois qu'il faut qu'on refasse une partie. Yes. Qu'on re-regarde ça. Attends. Un bleu ciel bleu, un océan magnifique, blablabla. Standing beside me, Tim, where's the romance? Ok, je sais pas si je sais plus ce qu'il fallait qu'on fasse. Ah oui, les colis, c'est vrai. Trois colis la semaine dernière, deux appareils photo et un trépied. J'aimerais conserver une trace de la beauté de l'île avant la construction. Attends, j'ai pas fini. Trois colis, ok. À propos de la station balnéaire. Louise est au centre d'un projet de construction d'une partie du cadre enchanteur de l'île. C'est vrai que cette nature luxuriante est un atout majeur de l'île. Alors une station ici. Oui. Nos vies deviendraient peut-être plus faciles si tout ça se concrétisait, mais à quel prix? Personnellement, je suis contre. Et lui, elle. À propos du colomar, j'imagine que tu sais rien à propos du colomar. À propos des livraisons, j'ai reçu deux colis la semaine dernière, rien d'anormal à signaler, mais. Ah oui! Les charpentiers transportaient une grande caisse ce jour-là, je me demande ce qu'il pouvait bien y avoir dedans. Une caisse? Peu près deux fois grande comme un charpentier. Ça, on a déjà vu la dernière fois. Hein. Ça paraît suffisant pour tenir un colomar. Où les charpentiers transportent-ils cette caisse? Je les ai vus se diriger vers le pont, mais je pourrais pas t'en dire plus. Deux colis sont bien arrivés, on dirait. Ça, je crois qu'on avait fait, non? Toi. Un colomar près du lac, j'ai entendu parler de ce Pokémon. S'il est dangereux, il vaut mieux que je garde mes distances. Et les livraisons. J'ai reçu un colis la semaine dernière. C'est un tourne-disque. Le problème, c'est qu'il ne marchait pas. Pas de chance. Je suis bien allé voir le maître d'œuvre, mais il ne pense pas pouvoir le réparer. Même Louise disait qu'il faudrait commander des pièces détachées. Louise, elle était là? Louise était le maître d'œuvre? Oui, elle l'aidait à coller des étiquettes sur les colis là où ils sont stockés. Intéressant.
Donc là, il y a bien eu un colis. Ouais, du coup, rond. Quoi, rond? Qu'est-ce que tu fais là, toi? L'enquête avance. À propos des transports charpentiers. Les charpentiers ont transporté une caisse en bois jusqu'au lac? C'est vrai, je dois le signaler ça au lieutenant. Bah, va signaler. Ça t'amuse. Et là, on est... Ah. Dr. Walls is behind all of this? You know I can't divulge sensitive information like that. Hmm? Well, hi. Still investigating, are we? It's no use. I've got this case practically closed. Don't be so sure. There are still a lot of things to look into. You're investigating the case too? Anything turn up? Yes. There are quite a few things. Des détails intéressants. Oh. Well, good luck, Tim. Spritz! 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 What's wrong? Catch a cold? Me, Lena. You know what? C'est le parfum de Fluffetin. Il est trop fort pour toi, ça te fait éternuer. Ok. Ça t'apprendra à un tel flair. What's going on with you, Manager? Je crois que Electrine a chopé le Covid. Hein. Laissez-moi passer. Je vais aller voir Walls. Société n'oublie jamais de vous avoir passé. Moi, je veux savoir un peu. Tes colis, je n'ai pas reçu de colis la semaine dernière. Je n'avais aucune raison d'en recevoir vu que je n'avais rien commandé. Hmm. Et le registre, il dit quoi? Il devait y avoir un colis, mais il l'a pas reçu. Hmm. Un colis destiné à Walls qui dit ne pas avoir reçu. Après, est-ce qu'il dit la vérité? Walls aurait dû pourtant recevoir un colis, où a-t-il bien pu passer? Est-ce que ce colis manquant pourrait bien être la caisse contenant Colomar? C'est possible. On devrait commencer par demander des détails à Walls au maître d'œuvre. Yes. Je pense qu'il faut aller voir le maître d'œuvre. Et d'ailleurs, merde, elle est plus là. Hey, Tim. Oui. All right. Me Netric, you know what to do, don't you? Oh, no, not my hat. You were supposed to fetch. Il me fatigue ce Pikachu, il me fatigue. Bon, le pont est terminé. Oui, c'est terminé et Bran n'attendait que ça pour traverser apparemment. Ok. Moi, je veux d'abord savoir à propos du colis manquant. Quoi, un colis pour Walls a disparu? Oui, il paraît que Monsieur Walls n'avait rien commandé en premier lieu. Je me serais trompé dans le registre. Si seulement je pouvais demander ce qu'il en est au charpentier. Les livraisons de la semaine passée. C'est tout noté dans le registre de colis. Louise m'a même aidé à les trier, donc il ne devrait pas y avoir d'erreur. Ah, Louise était là. Intéressant. Louise était là. À propos du tri, du coup. Donc, Louise m'aidait à coller des étiquettes sur les colis. Vous n'avez rien remarqué d'inhabituel pendant le tri? Maintenant que tu le dis, Louise n'avait plus son parfum habituel. Où était Fluffetin? En fait, après l'enregistrement des colis, je suis retourné au bureau chercher quelque chose que j'avais oublié. Vous êtes éloigné des colis. Quelques minutes à peine. Et à mon retour, le parfum de Louise avait disparu. C'était curieux. Parfait qu'il disparaît. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec notre affaire? Bah là, clairement, Fluffetin, où il était passé, quoi? Elle pourrait réparer, vous avez bien travaillé. À propos du colis manquant, quoi. Il n'y avait pas de colis pour Walls, le registre en mentionnait pourtant. Hein.
Alors, vous n'avez pas transporté une caisse vers le lac. Il dit qu'ils ont bien transporté une caisse avec un symbole en forme de donut. Avec un symbole en forme de donut? Le vois pas sur le tableau. Alors, on le suspecte pas. Je devrais aller voir au lac pour voir si c'est... Ouais. Le symbole de donut, ça m'intrigue. Quoi? C'est quelque chose. Je vois, ils confirment qu'ils n'ont rien livré. Une caisse avec un symbole en forme de donut, vous l'avez livré au lac. Ok. Ah, t'as encore un truc à dire, toi. Il était tout rond et il sentait bon. Attends, tu me parles d'un vrai donut là? Vu que le pont est maintenant réparé, on peut toujours aller voir au lac. Quelque chose à propos du symbole en forme de donut, toi? Jamais vu de symbole en forme de donut. Quel rapport avec toute cette affaire? J'imagine qu'on va trouver un drapeau avec une forme de donut. Ah, mon ami le barpeau. Il a suivi le colomar jusqu'ici, toujours aussi imprudent, décidément. Cherche quelqu'un. Oh, bonjour. Tu cherches Milo, il n'est pas par ici. Pour te dire, un ami de Milo est soupçonné d'être celui qui a placé le colomar ici. Oui, moi aussi je m'inquiète pour eux, j'espère qu'on pourra vite l'innocenter. On fera appel à toi si on a besoin de chercher quelque chose dans l'eau. Hein, tu as entreaperçu un objet curieux tout à l'heure? Bah c'est quoi? Ah, il est parti chercher. Un bout de bois. Oh, dis donc. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà un bout de bois comme ça? Ce bout de bois pourrait bien nous aider dans notre enquête, tout à fait. Ah, il évolue level 17, ok. Pourquoi il y a un... Toi là. Qu'est-ce qu'il fait là, passe rouge? Tu es venu nous aider à mener l'enquête? Sympa. Tu es allé piquer du bec un vieux chiffon qui flottait dans le lac et c'était un Pokémon? Elle parle de... Elle a voulu essayer de choper Barpo. Il disait qu'il n'allait au lac que pour y chercher des ingrédients pour des potions. Ok. Je crois que Colom... Well, look who it is. Your timing is perfect. It seems Dr. Walls is indeed the culprit. Ah ouais, pourquoi? They say there's conclusive evidence. Evidence that we pulled out of the lake. Is that... Yes, it's the symbol for Dr. C'est le symbole de la maison de Walls. Tout à fait, oui. La ta-ta-ta-ta-ta. Qui a amené le colomar au lac. Oh le chao. Il est encore trop tôt pour abandonner. Non, non, je suis sûr qu'il y a un symbole en forme de donut. Attends, attends, bonhomme. Je ne vois pas comment Walls pourrait continuer à nier après. La partie est terminée, jeune détective. Attends! Attends, mec. J'ai pas fini avec toi. J'en ai pas fini avec toi. Putain. Amanda. Si tu crois en Monsieur Walls, Tim, je suis avec toi. Surtout, n'abandonne pas. Pièce à conviction. Toutes les pièces à conviction réunies par la police sont posées sur cette bâche. Je voudrais peut-être commencer par les examiner. Yes. Puis-je examiner les pièces Maintenant que le lieutenant tient le coupable, la paix devrait revenir sur l'île. Ce symbole désigne la maison de Walls, c'était donc bien lui qui a amené le colomar. Ok. Puis-je étudier tout ça? Examine-les autant que tu veux, mais tu ne peux pas les prendre avec toi. Bon, alors ça déjà.
Il a été peint en blanc. Morceau de bois. Je suis pas ma femme, toi sinon je te monte en l'air. ça c'est des bouts de caisse. Ah! Une caisse en bois a priori, en pièce, ouais. Un ballon. Ça c'est quoi? Une assiette sale. Oui, non, mais c'est 100% Louise, hein, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'une étiquette, un vron fait ici? Les morceaux de la caisse qui contenait Colomar. Oui, avec le symbole, celle avec le symbole de note. Exactement, tu vois, comme ils ont tous de la peinture blanche dans le coin, peut-être qu'en les rassemblant, on obtiendrait ce symbole de note. Ça vaut la peine d'essayer. Allez, on va faire un puzzle. Un donut. Ah, tais-toi. Puis-je avoir des bouts de bois? Nous avons passé les environs au peigne fin et tout ce dont nous trouvons est sur cette bâche. On a trouvé l'étiquette près de laquelle, c'est bon, ça a dû l'oublier de la récupérer. C'est un peu gros, hein, quand même. Des bouts de bois peints en blanc, je n'en ai pas vu dans les environs. Alors par contre, va falloir ouvrir les yeux parce que là, il y a un truc. Hein. On dirait un fragment de statue. Ah, un bout de statue de Barpo. Très bien. Ouais, ok. Oui, qu'y a-t-il? Je crois qu'il est temps d'ouvrir ton carnet dans la section piste pour réfléchir à tout ça. Je l'ai fait juste avant. Bah, t'es con? Je l'ai regardé juste avant. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs hein, par là? À propos des bouts de bois. En tout cas, j'ai entendu Monsieur Vester dire que quand on est coincé sur notre tête, il vaut mieux prendre le problème à l'envers. Si la police n'a rien trouvé d'autre malgré toutes ses efforts, c'est sûrement que ce que tu cherches est en dehors de notre champ de vision. Barpo. Barpo. Oui, Barpo. Barpo. Ok. Très bien. Je souhaiterais aller parler à notre cher ami l'inspecteur qui sert à rien. Inspecteur qui sert à rien, inspecteur qui sert à rien. Inspecteur qui sert à rien. Inspecteur Gadget. Yes. Ah mais attends. Est-ce que j'ai étudié l'autre symbole Je pense que je l'ai pas étudié. C'est pour ça que je me dis d'aller voir. J'ai dû rater un bout. Créer un symbole en forme de donut. Alors, c'est parti.
C'est un rond, quoi. Mais on dirait pas un donut. Oh! Listen up. I'll bet if we combine that clue with this mark, we can make a donut mark. Mais oui, il faut rajouter le rond orange. We were right. Et là, on a un donut. Mais Then it becomes a ring. Now it makes sense. This is what the timber we're calling a donut mark. Mais pourquoi l'amener sur la plage, du coup? Contenant un colomar sur l'île en la faisant passer pour un colis dissimulé à Walls. Évidemment, le maître d'œuvre l'a enregistré en tant que tel et l'étiquette avec le symbole rond, on est d'accord. Tout juste après, le coupable a profité d'un moment d'inattention du maître d'œuvre pour recoller l'étiquette par-dessus la peinture pour créer un nouveau symbole de l'anneau. Et les charpentiers l'ont transporté le tout vers le lac. Mais le lac n'est pas mentionné sur le tableau. Vous avez donc besoin d'être guidé avec un drapeau marqué d'un anneau. Mais il n'y avait pas un drapeau parmi les pièces à condition réunies par la police. Ouais, Luna. Je suis le charpentier et voir où ça nous mène. Je pense que cette fois, je vais pouvoir prouver l'innocence de Walls. Allez, on vous suit. Ils sont bien en train de les... Oh, ouais, très bien. Sans les mains. Ah. Alors, où est-ce qu'ils vont nous l'amener? Ils peuvent pas l'amener là-bas parce qu'il y a le colomar qui gêne. They say their goal is up ahead. You mean past Crawdance? If we search that area, I'll bet we'd find some evidence. Wait. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah non! Pas le barpo! Pas le barpo! Are you alright? Ah! What's happening? Oh, c'est évolution! Oh, c'est évolution! Il a évolué en Milobélus. Incroyable! Incroyable! J'en ai rien à foutre, je veux parler à Milobélus. Milobélus, reviens! Ah, oh, tais-toi. C'est quoi ça? Ah! Oh, bah tiens, un drapeau! Comme c'est bizarre! Missing delivery. The ring-shaped mark. The only one who could have done those things in that amount of time. What are you thinking, Pikachu? Could it be? A
bolt of brilliance. Oh, 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 pas mal, pas mal, pas mal. I know the culprit. Je pense qu'on sait à qui appartient l'odeur qui émane le drapeau. Oui, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Attends, 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 attends. Moi, j'ai une statue de Barpo, là. Je voudrais savoir à quoi elle sert. Quand j'étais petit, j'ai fait me noyer dans le lac. C'est un Milobius qui m'a sauvé. Je suis tellement content de l'en revoir. Hein. Oui, il reste plus qu'à déterminer à qui appartient l'odeur qui en émane. Oh là 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 là. Qui peut vérifier ça? Moi, j'en ai un qui peut vérifier ça. Je sais qui peut vérifier ça. Tout va bien, toi? T'aimes bien Milobellus? Il est fasciné par Milobellus. Sans doute qu'il aurait cru que le petit diable du lac s'agirait face à lui. Et à propos du drapeau, à mon avis, il sait rien, lui. Il est pas sûr. On dirait qu'il a été amené de force pendant qu'il dormait. Ok. Oui, mais qui est-ce qui pourra prouver ça? Moi, je sais qu'il y en a un qui peut prouver ça. Il faut qu'on aille voir Alex Sprint. Moi, je veux aller voir Alex Sprint. Hein. Alex Sprint. À propos du drapeau. Et les... Print. Voilà, merci. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est bon. On sait qui c'est. Here they come. Keep your wits about you. Thank you all for coming here. Tim, I know what you're gonna tell us. You figured out who the culprit is. Nous connaissons déjà le coupable. Ouais. All evidence points to Dr. Walls. I'll tell you what I discovered. Voilà ce qu'on a découvert. Who had Crawdon carried to the lake is? Go on. Tell him, Tim. C'est Louise. You, Louise, you're the culprit. That's just a bunch of nonsense. Is this your idea of a joke? Do you have any proof? Ah, j'en ai plein des preuves. J'en ai plein. Alors, oh, il y a plein de trucs. Les statues, on s'en fout. La caisse qui contenait Colomar. L'étiquette marquée d'un rond. Le drapeau marqué d'un anneau. Quelle preuve accuse Louise? Ça. Proof? Right here is the proof. What kind of proof is that? It's just the flag for timber transport. Non. Yes, that's true. C'est pas un drapeau des charpentiers. Used this flag and had timber carry the box with Crawdont inside. If that's the case, then what about this sticker? Eh ben. If the deductions are correct, then the box would have a ring-shaped mark on it. Am I right? Guess what? Mais on l'a l'anneau. Mark has been found. Obviously, he's right, and you're completely wrong. He's wrong. The sticker was a trick just to frame Dr. Walls. A trick. As a matter of fact, il n'y a jamais eu d'étiquette marquée d'un anneau. It never has. It was created by her. She used the sticker from Dr. Wall's house and combined it with something she made. Right on, Tim. You tell him. La caisse. Nous avons trouvé ceci près du lac. Un fragment de caisse. You can see there's a shape that's been painted on it with some white paint. Huh? What is that shape? Well, so when we fit the white parts together, it recreates this symbol. Now, if I put this sticker on top... It's the ring-shaped mark! That's right. Ah, no. Timber thought the mark was new, and they simply followed the flag that they saw had the same mark on it. Could it be? Hard to comprehend. How could someone as savvy as myself fall into a... Il est tombé dans un piège. Ah ouais, ouais. Quand la caisse est arrivée sur la jetée, vous aidiez le maître d'œuvre. C'est ça. Easy, right? Because all you had to do was change the stickers. Of course, while no one was looking. You're right, I could have done that.
But how could I possibly have had the time to guide the timber all the way to the lake? Oh yeah, that's the easy part. The chief said while you were sticking marks on the boxes, he had to return to his office and get something that he forgot. True, but he was only gone for a few minutes. Not nearly enough time for me to go to the lake. Ah oui, parce qu'ils sont pas très rapides, les charpentiers. All you needed was a few minutes. A sufficient amount of time for you to send a signal out, right? D'envoyer un signal. What are you talking about? Who would I be signaling to? Eh ben, à ton parfum. There's only one possibility. À son parfum. You signal to Spritzy. Spritzy? What? Spritzy? That's right. And here's the proof. Oh, Maynette. The flag makes you sneeze. That's because Spritzy's scent has soaked into this flag. Imprégné de l'odeur du fluffetin. Timber used Spritzy to guide the timber. Dr. Walls is innocent? I have a headache. Oh, il a la tête qui tourne, le pauvre. All you had to do was signal Spritzy. There was plenty of time while the chief wasn't looking. And that means your alibi doesn't hold up. Wait a minute. Why would she want to do something like that? Bah parce que Wolf voulait pas vendre sa parcelle. Wasn't it? You needed to get the land. Bah ouais, il avait besoin du terrain de Walls. Dr. Walls, didn't you? Yes, that's right. Why is that so wrong? Building that resort is my dream. I did what I had to in order for it to succeed. How could you do that? You caused trouble for the Pokémon and Dr. Elle a failli quand même envoyer Walls en prison, hein. The only person you thought about was yourself. That's sad. You'll soon regret that. It's over now, Louise. Come with me. Il y aura pas de station balnéaire. Too bad. She just got a little too carried away. Lesson learned. C'est meilleur qu'un inspecteur de police, hein, du coup. Walls was innocent after all. So now would be a good time to ask him about. On va pouvoir discuter avec Walls à propos du R maintenant. Qu'à la base on était venu là pour ça, hein. Dr. Walls, I was wondering if you could tell Pikachu and me about R. Yes, of course I can. It's the least I can do for clearing my name. Alors, plein d'infos. You know what? Come to think about it, this makes you the second person to ask. La deuxième personne? Yeah. I believe it was about 2 months ago. Ah, ça doit être Harry. The same thing. And you know, I recall he had a Pikachu with him too, just like you. No way. That must have been my father. I'm trying to find him. That's why I came to ask what you know about R. I can tell that this means a lot. All right, I'll tell you everything I know. On a plein de choses à apprendre. À propos d'Harry, parce que c'est, quand même, c'est ce qu'on veut savoir. Il y a environ 2 mois, un homme accompagné d'un Pikachu est venu me voir. Il m'a posé des questions sur le R, mais je l'ai chassé sans rien répondre. Ok. Oui, et c'est pour ça que l'individu mystérieux qui donnait ses instructions à Carlos s'est intéressé à lui. Ok. À propos du R. A l'origine, le R devait être un remède miracle pour Pokémon créé à partir de cellules de l'un d'entre eux. Jusque là, on est d'accord. L'un d'entre eux. Un Pokémon appelé Mew, qui posséderait le code génétique de tous les autres Pokémon. Ça se tient. Mais par erreur, au final, ce sont les cellules d'un Pokémon appelé Mewtwo qui ont été utilisées. Ah bah forcément, ça aide beaucoup moins. Un Pokémon mystérieux qui aurait été créé par la science. On dit que son génome contient de l'ADN Berserk. C'est probablement pour ça que les Pokémon à qui on administre le R deviennent violents. Ok. Du coup, en fait, ils devaient utiliser de l'ADN de Mew, mais ils ont eu de l'ADN de Mewtwo. Sachant que Mewtwo, c'est un clone de Mew amélioré. Donc il a de l'ADN de Mew, bien sûr. Mais il y a de l'ADN...
du berserk qui fait que c'est un Mewtwo. Ok. Ce qui explique pourquoi Mewtwo est un petit peu violent. Et c'est ce qui cause les violences chez les autres Pokémon. Ok. Il sait rien sur Carlos, j'imagine qu'il a intégré le PCL après mon départ. Ok. Quelqu'un d'autre que vous et Carlos serait-il susceptible de connaître l'existence du R? Oui, j'avais un assistant. Ah! Mais comme nous ne sommes plus en contact depuis ma démission du PCL, je ne saurais même pas te dire où il est. C'est quoi son nom? L'ancien assistant de vol, c'est intéressant. Moi, je veux savoir son nom. Je viens de me rappeler quelque chose. Ton père disait qu'il enquêtait sur Fine Park. Un parc d'attractions de Rime City. Sauf erreur de ma part, il a fermé ses portes suite à un incident voilà un an. Que s'est-il passé? Je ne connais pas tous les détails, mais il paraît que les Pokémon sont devenus violents pendant la parade. Donc, susceptible qu'il y ait eu du R à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas rentrer à Rime City? Ouais, on va rentrer. Grâce à toi, j'ai un peu retrouvé foi en l'espèce humaine, je suis vraiment reconnaissant. Ok. Wait a minute, please. Yes! As-tu une théorie à nous fournir, Captain? Il faut qu'on parle de ce qui vient d'être dit, là. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Là, on a plein d'infos qui sont arrivées. On dirait pas comme ça, mais beaucoup d'infos qui sont arrivées d'un coup. On sait maintenant qu'il avait un assistant, donc quelqu'un d'autre qui connaît le R. Et que son père enquêtait sur Fine Park. Sauf que, comment il peut savoir qu'il enquêtait sur Fine Park alors qu'il l'achetait dès son arrivée? Ils ont eu le temps de discuter un peu quand même, ou comment ça se passe? C'est bizarre. On va supposer qu'ils ont eu le temps de discuter vite fait. Il enquêtait sur Fine Park et Waltz voulait pas en savoir plus. On va dire que c'est ça qui s'est passé et il l'a foutu dehors. Ça fera sûrement plaisir à Milo, il a l'air de s'être attaché à toi. Ouais, c'est loin de m'emballer, mais il va falloir prendre le bateau pour rentrer. Yes. Est-ce que t'as autre chose à nous dire? Non. On va essayer d'aller trouver Milo. Je pense que Milo, il doit être sur la plage. Avec Milo Bellus. Oui, il y a quelqu'un là-bas, non? Ah, il y a Milo. Milo est là. Part déjà. Maintenant que l'affaire est résolue, Rulu, tu pourrais profiter un peu de l'île. Bah non, on a quelqu'un qui nous attend, puis on a des choses à faire. Mais on reviendra. Par contre, je veux savoir à propos de l'incident, du coup. Merci de nous avoir aidé à enquêter. L'année dernière, les Poké sont devenus venants pendant le festival, dans le film. Pendant le festival que tout part en couille, donc on est un an après le film. Mais ça va pas, il y a une couille, je ne sais pas. Mais info sur y a un bail qu'on n'a pas encore. Alors non, c'est pas pendant le festival. Hein. C'est pendant la parade du parc d'attractions. C'est pas pendant un festival, attention. Hein. Pour ceux qui ont déjà été à Disney, chaque soir, il y a une parade. De chars, voilà. Mais là, c'est pas pendant le festival. Hein. Il a pas parlé du festival, il a parlé de la parade du parc d'attractions. Ça, nuance. Je pense que c'est ça qui te perturbe un peu, je pense. Merci de nous avoir aidé à enquêter. C'est moi qui te remercie d'avoir prouvé l'innocence de Walls. Je croise les doigts pour que tu retrouves vite ton père. Et au revoir à toi aussi, Pikachu. Alors, Milo Bellus. M'attendais pas à ce que Barpo évolue en Milo Bellus, moi non plus, il est devenu tellement classe d'un coup.
Maintenant, c'est à mon tour d'essayer d'évoluer en Pokémon Ranger. Eh ben oui. Et Colomar, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est Brad qui l'a amené avec lui. Il a dit que maintenant que l'affaire est résolue, il va le ramener d'où il vient. Ah, parfait. Ok. Eh ben, allons-y. No one would ever guess you were once a Feebas. You know, anyone can change. Pokémon and people. I mean, if they really want to. Re, je commence la mission anti-dronétation. Sérieusement. Bonne chance. De toute façon, on va pas tarder d'arrêter. On a fini la mission et je pense qu'on... Là, on va retourner, mais pour le prochain chapitre. On arrêtera juste au moment du prochain chapitre, je pense. Parce que là, on a eu quand même pas mal d'infos, mais on sait que prochain chapitre, il faut qu'on aille au parc là. Ouais, bon, on va pas aller parler à tout le monde, mais voilà. Ah. À propos de l'incident. C'est grâce à ta persévérance que Monsieur Walls a pu être innocenté. Je suis sûr que tu feras un bon détective. Et allez, c'est parti. Pikachu va être heureux de reprendre le bateau. Qu'est-ce que c'est? Oh. I just had that dream again. But somehow it felt different before. Are you okay, Pikachu? Were you having a bad dream? Maybe he just doesn't like boats. Il n'aime pas les bateaux, ça c'est une certitude. Nah, it's more than your driving to scare me. Oh, des goélies! I'm just getting old. Wait. Il n'y a pas eu de no sur l'île, je suis ultra triste. Ouais, on n'aura pas eu le cappuccino. Effectivement. C'est très la tristesse. Chapitre 5, Fine Park. Walt nous a dit que mon père avait enquêté sur l'ancien parc d'attractions de Fine Park. Nous avons donc décidé de nous y rendre dès le lendemain. Allez, on se bouge, Tim. Un grand détective ne reste jamais en... Voilà. Ah, ah bah tiens. Meiko et Emilia. On passait dans le quartier. Producteur de télévision, Roger Clifford. C'est leur patron? Tim, right? Yeah. Oh, this is Mr. Clifford, our boss. Nice to meet you. Roger Clifford. Oh, nice to meet you too. These two won't stop talking about you. They say you're a great detective. Un grand détective, il paraît. Bah, on a résolu pas mal d'affaires quand même déjà. Je pense qu'on va s'arrêter là. On est dans le café, je pense que c'est une bonne occasion de s'arrêter là. Et là, pour une fois, vous voyez, je vous laisse pas dans le dans l'attente du prochain épisode, vraiment dans le suspense.
Là, on s'arrête tranquille, posé au café. Je vous promets pas que ce sera toujours le cas, hein. Attention, attention, attention. Là, c'est juste qu'on va en profiter. Ces deux derniers épisodes, je vous ai laissé un petit peu dans le... dans l'attente, vraiment, de la suite. Mais là, on va rester tranquille et on remettra un petit peu ça. Oh non, mais si, bah si. Je dois avouer que je suis un peu fatigué aussi, donc je vais pas traîner non plus super longtemps. Du coup, c'est demain le prochain live, donc tranquille. Yes, c'est demain le prochain live, donc tranquille. Effectivement, vu qu'on a... Normalement, ce live devait avoir lieu hier. Donc demain. Demain pour ceux qui sont sur Twitch, mais ce soir pour ceux qui regardent la rediff sur YouTube, il y a la suite de Détective Pikachu qui aura lieu donc à 21h30. Sur ce YouTube, je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui regardent la vidéo lors de sa sortie. Sinon, n'hésitez pas à passer sur Twitch nous regarder. Tous les liens sont dans la description. Et comme dit Captain, bisous YouTube, à bientôt. Bye.